Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Les femmes n'aiment pas les hommes qui ont l'argent. Quoi? Elles aiment les hommes qui donnent l'argent. Hey! Pour que ton amour puisse durer, faut avoir l'argent. Tu as compris? C'est ça. Ah bon, hein? Pour que dans ton amour, on puisse t'appeler comme il se doit. B. Coco. Lipidou. Lili. Chipinou. Si tu n'as pas ça, tu vas connaître ton vrai nom. C'est pas possible. Yo la famille, je vous look seulement, hein. Quand Poupée aussi fait sa vidéo pareil, vous avez dit que oh, elle encourage la prostituée. Oh. Quand Papa Fingon dit aussi que les hommes doivent donner l'argent aux femmes là, vous avez dit quoi? J'attends vos réactions, hein. Arrêtez la sorcellerie, laissez la fille là tranquille. Et maman. Mon frère. Si quelqu'un te déteste sans raison, sache que tu as quelque chose qu'il admire, mais qu'il refuse d'apprécier. Et qui est? C'est vrai. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie. Imaginez un peu. Les gars, nous sommes déjà le 9 décembre. Vraiment. Donnez-nous l'argent des fêtes. À partir du 15, là, ça devient très cher. Les choses qu'on achetait à 10 000 nous reviennent à 30 000, 40 000, 50 000. Vois-moi ces anciennes fesses, sale rat. Donnez-nous ça maintenant, on va essayer de voir comment on va jongler. Parce qu'à partir du 15 là, non, si tu n'as pas 200 000, 150 000, 300 000 en montant, pardon, ne nous donne pas. Laisse. On va chercher le sugar daddy. Le sugar daddy là, c'est pas facile à Yaoundé, c'est compliqué. En tout. Et vous regardez ces mains. Que merde, madonna mia. Vous êtes certainement déjà tombé sur cette catégorie de filles qui vous parlent tout le temps du manque de respect. Oh, franchement, mon copain me manque de respect. Voilà une semaine que j'attends qu'il m'envoie l'argent pour payer mon loyer, il n'envoie pas. Voilà, depuis 2 mois, il a promis changer ma greffe. Il m'a promis une brésilienne. Elles ont le numéro 1. Voilà qui n'achète pas. Même mon téléphone est déjà vieux. Il ne voit même pas qui peut changer mon téléphone. Franchement, je ne supporte plus. Ma chérie, si tu ne supportes plus, va chercher ton argent toi-même. Personne ne respectera une consommatrice qui n'apporte rien. Pour une partie des plaisirs, l'amitié ne doit pas devenir une prise en charge. Tu ne peux pas être respecté tant que tu n'es qu'une consommatrice. Apprends à te faire respecter. Tu es piégé par ton intention. Ton intention, c'est d'aller avec un homme pour lui prendre un maximum. C'est ça le piège. Regarde autour de toi les femmes qui se battent. Regarde autour de toi ces filles qui sortent tôt le matin, se battent, vont se battre et rentrent de soi avec les poches bien pleines parce qu'elles ont fait parler leur cerveau. Un homme ne peut pas leur manquer du respect. On ne manque pas de respect à une femme indépendante. Cherche à devenir indépendant toi-même et tu verras que personne ne te manquera du respect. Ça ne sert à rien de te plaindre si tu attends tout des hommes. Ouais, ça c'est très bien. Mais sœur, j'espère que vous avez bien compris le message. Ne comptez plus sur le portefeuille des hommes. Ah, vraiment le Cameroun. Mais... Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.